On assiste, je pense, au niveau national, à une élection surréaliste où des gens de grande qualité qui ont fait leurs preuves, qui ont bien géré leur circonscription ou leur commune, leur communauté d'agglomération, eh bien, sont éliminés parce que il y a cette vague Macron et on est dans le domaine un peu de l'irrationnel.